l'impression que je pète ma gueule. On va entendre. Jérémy, tu es correct? They're coming. Cet après-midi, les visiteurs, les Cougars du cégep de Chicoutimi. Le match d'aujourd'hui est une présentation du restaurant Le Bureau Gilbert. Et sous la thématique des anciens, donc vous apercevrez aujourd'hui plusieurs anciens joueurs des Gaulois et également des Monadocs qui ont porté l'uniforme, oui, de l'organisation dans les dernières années. Bien sûr, dans le cadre de ce match, l'organisation souhaite souligner ces anciens joueurs qui se sont impliqués dans l'équipe ou dans l'organisation des matchs locaux. Alors, nous souhaitons vous les présenter. Tout d'abord, il a été receveur de passe en 2020 et 2021, membre du personnel d'entraîneur pour la première fois cette saison. Bonne main d'applaudissement pour Achad Saïd Omar. Il a été demi-défensif de 2017 à 2019, membre du personnel d'entraîneur également pour la première fois cette saison. Bonne main pour Olivier Lévesque. Il a porté l'uniforme des Gaulois entre 2015 et 2018. Il évoluait à la position de porteur de ballon. Le numéro 1, Zachary Dion. Ancien receveur de passe des Gaulois qui a également porté l'uniforme du vert et or de l'Université de Sherbrooke dans les dernières années. Il a porté l'uniforme des Gaulois entre 2015 et 2016. Bonne main pour Thomas Sasseville.
Il a été demi-défensif entre 2011 et 2014. Il est membre du personnel d'entraîneur depuis l'an dernier. Une bonne main pour Antoine Saint-Pierre. Ancien joueur de ligne offensive entre 2011 et 2014. Il est membre du personnel d'entraîneur depuis 2019. Une ancienne fusée, Charles Ouellette Bernier. Et il a été receveur de passe entre 2003 et 2005. Il a porté l'uniforme également du vert et or de l'Université de Sherbrooke. Un gars de la région qui s'implique dans le football depuis plusieurs années, membre du personnel d'entraîneur depuis 2010 et entraîneur-chef depuis 2019, le légendaire Marc Chouinard. Et finalement, une bonne main d'applaudissements pour un joueur, un ancien joueur de ligne offensive, un ancien porteur de ballon. Et il a également évolué à multiples positions entre 75 et 79. Membre du personnel d'entraîneur entre 2005 et 2016, en plus de la saison 2019. Il est toujours impliqué avec l'organisation lors des matchs locaux au niveau des statistiques. J'ai nommé nul autre que Laurent Chouinard! Alors, c'est ce qui complète les différents membres des anciennes éditions qui sont toujours dans l'organisation. Je suis en profite également pour saluer tous ceux aujourd'hui, cet après-midi, pour ce match. J'en profite aussi pour saluer tous les anciens qui nous écoutent à partir de la web diffusion. Il reste 7 minutes avant qu'on commence le match. On se reparle dans quelques minutes. Restez à l'affût. Un deux. Test pour les caisses de son. Un deux. Test. Ce que les gens au fond entendent. Un deux. Test.
Ce sont les Cougars qui amorceront avec le botté d'envoi. Bon match, mesdames, messieurs! Pour le botté d'envoi effectué par le numéro 13, Olivier Boulanger. Le numéro 13 des Gaulois qui joue également au poste de receveur éloigné. Un vétéran de 3 saisons dans l'uniforme de la Pocatière. Alors pour une première fois cet après-midi, l'attaque des Gaulois sur le terrain. On est au 50. Premier essai 10. Premier essai chez les Gaulois, on remet le ballon au numéro 33 des Gaulois, Alexis Cadorette. Un gain de 6, ce sera deuxième et 4. Puis encore en puissance avec Cadorette. Premier essai, Gaulois! Avec le jeu au sol, du côté des locaux. Un gain d'environ 5 verges en premier essai, ce sera deuxième et 5. Du côté de la défensive des Cougars, tout trois excellentes courses du numéro 24. Athanaël Couillard, un gain d'environ 5 verges, ce sera troisième essai à quelques pouces du premier jeu. Samuel Roy, porteur des Gaulois qui bondit à l'extérieur. Ils vont aller chercher le premier essai, l'attaque des Gaulois qui menace. On est au 27, les Cougars. Une fois le ballon qui est remis dans le champ arrière. On est toutefois rapide du côté de la ligne défensive des Cougars pour effectuer le plaqué. Court gain sur le jeu, environ 2 verges. Ce sera deuxième et 8. Le porteur des Gaulois qui effectue plusieurs feintes. Brise également un plaqué avec sa puissance. Excellent gain sur le jeu. Ce sera troisième essai. Troisième et quelques pouces à faire. La Pocatière. Carrière des Gaulois, Dominique Poulain qui remet à son porteur.
Alexis Cadorette. Cadorette, un ancien également. Un vétéran, un jeune vétéran dans cette équipe. Trois saisons dans l'uniforme des Gaulois. Premier jeu. Le quart arrière, Dominique Poulin. Et alors le quart arrière, Dominique Poulin, le numéro 5 des Gaulois, qui feinte la remise à son porteur, conserve le ballon. Et franchit les 13 verges qu'il séparait de la zone des buts. Un premier touché cet après-midi pour l'attaque des Gaulois. C'est 6-0 en attente de la transformation. Attention, un point qui n'est pas complété. Mais tout de même, après une possession à l'attaque, les Gaulois qui prennent les devants, c'est 6-0 pour les locaux! Tour effectué par le numéro 10 des Cougars. C'était Mathis Lecointre au plaqué chez les Gaulois. Le 22, Mathis part en plante. Joueur des Gaulois qui évolue également comme demi-défensif. Les Cougars qui reprennent le ballon à leur ligne de 35. Ce sera premier essai 10 pour les visiteurs. Arrière des Cougars qui remet à son porteur de ballon, c'était le 26, Jacob Roy Dallaire. Un gain de 5, ce sera deuxième et 5. Autre remise au porteur de ballon, toutefois, excellent travail de Fabrice Bilodeau, ailier défensif, qui effectue le plaqué. Gagne environ 3 verges. 2 verges. Troisième essai et 3. Rapide au receveur inséré, le numéro 10 chez les Cougars, c'était Mathis Lecointre, plaqué rapidement chez les Gaulois par Xavier Saint-Pierre, le demi de sûreté des Gaulois. Aucun gain sur le jeu, c'est un quatrième essai. Thank you.
effectué par le numéro 24, Émeric Deblaine, chez les Cougars. Au retour, chez les Gaulois, le 87, Justin Roy. Bien de quelques verges sur le retour. Ce sera premier essai 10. L'attaque des Gaulois qui se présente pour la deuxième fois cet après-midi. En train d'aller chercher d'autres points. Alors, remis porteur de ballon, infraction sur le jeu. Infraction contre les Cougars du cégep de Chicoutimi. Une rudesse pour avoir saisi par le protecteur facial. Ça donne 15 verges aux Gaulois. Et un premier essai pour les locaux. Passe incomplète. Carrière des Gaulois qui a tenté de rejoindre son receveur, Olivier Boulanger. Passe qui n'est pas maîtrisée. Deuxième essai. Chez les Gaulois, numéro 23, Samuel Roy. Plaqué rapidement par le secondaire, Mathis Cousineau, numéro 7 des Cougars. Court gain sur le jeu, troisième essai. Samuel Roy! Premier essai, Gaulois! Porteur des Gaulois qui est patient sous ses joueurs de ligne offensive. On mesure également d'y aller de quelques feintes. L'attaque des Gaulois qui menace. On est au 14 des visiteurs. Ballon qui est porté par le numéro 24, Athanaël Couillard. Tiens, Izigo du collège Chaitante de la Pocatière. Un gain d'environ 5 verges. Ce sera le deuxième essai. Couillard, plaqué solide de la part du numéro 26 des Cougars. C'était Jacob Roy Dallaire. Un peu à l'image du jeu de tantôt, le corps arrière des Gaulois, Dominique Poulain, qui conserve.
franchi les différentes verges qu'il séparait de la zone début. On ajoute 6 points, c'est 12 à 0 en attente de la transformation. Transformation qui est réussie. Alors, un point qui s'ajoute à la marque chez les Gaulois. Les Gaulois de Cégep et de l'Itaque de la Pocatière qui commencent le match en feu. C'est 13 à 0 pour les locaux. On fait du bruit! Fois de plus, les Gaulois qui sont toujours très reconnaissants et souhaitent remercier leur chaleureux partenaire, la ville de la Pocatière, Nova Biomatique, le restaurant Bureau Grill et Bar, Chocs FM, la fondation Cégep de la Pocatière, le garage J.C. Hudon. Et on reviendra pour la suite, alors qu'on est prêt pour le botté de reprise. Retour de beauté, oui, effectué chez les Cougars par le numéro 10, Mathis Lecointre. Une pléiade de joueurs des Gaulois pour l'accueillir, notamment le numéro 17, Étienne Dion. Premier essai 10 pour les visiteurs. Anthony Martel, secondeur intérieur des Gaulois qui réalise le plaqué, perte d'environ 4 verges, deuxième élan. Passe incomplète. Carrière des Cougars qui se débarrasse du ballon devant la pression des joueurs des locaux. Troisième essai, 14 verges à faire. Passe incomplète. On a tenté la passe piège du côté des Cougars. Voilà la passe qui n'est pas en mesure de trouver preneur. On force un quatrième essai chez les Gaulois. Retour effectué chez les Gaulois par le 85, Mathis Bilodeau. Premier essai 10, la Pocatière. On est au centre du terrain. Infraction sur le jeu. Procédure illégale contre les Gaulois.
Rapidement du côté de la ligne offensive des locaux, on recule de 5 et on reprend le premier essai. Passe incomplète. Ouverture serrée de la part des demi-défensifs des Cougars. Notamment le numéro 12, Samuel Davio. Demi de sûreté qui rabat la passe au sol, force un deuxième essai et 15. Samuel Roy qui porte le ballon. Un gain d'environ 8 verges sur la course. Ce sera troisième essai. Donc environ 7 à faire. Attendez la passe piège chez les Gaulois qui a été captée par Athanel Couillard, plaqué solidement par le joueur des Cougars, le numéro 15. Infraction. J'ai l'impression que ce sera une infraction contre les visiteurs. Donc, effectivement, donc punition de 15 verges contre les Cougars du cégep de Chicoutimi. Rudesse. Ensuite, à la punition, l'attaque des Gaulois qui progresse avec 2 minutes 48 à faire à ce premier quart. Le ballon qui est positionné à la ligne de 39 des Cougars. On est prêt à reprendre l'action. Premier essai 10 pour les Gaulois. On est au 39 des Cougars. Pour à l'extérieur avec Samuel Roy au plaqué chez les Cougars, c'était le 53. Julien Claveau. Ailier défensif des Cougars qui effectue le plaqué. Ce sera deuxième essai. Passe incomplète. Carrière des Gaulois qui choisit de se défaire du ballon devant. La pression du joueur des Cougars, troisième essai. Porté par Athanaël Couillard. Les arbitres le mentionnent. Premier essai, Gaulois!
la dernière séquence. On a feinté le balayage, on a remis dans le champ arrière. Stratégie qui fonctionne. Premier et 10, la Pocatière. Samuel Roy qui utilise sa vitesse pour aller chercher un premier jeu pour les Gaulois. Passe du quart, Dominique Poulin qui complète à son receveur, Olivier Boulanger. On ajoute 6 points à l'avance des locaux. Transformation qui est réussie par Olivier Boulanger qui venait tout juste d'inscrire le majeur. Avec 33 secondes à faire à ce premier quart, l'écart justement, elle se creuse. C'est 20 à 0 pour la Pocatière. Chez les Gaulois, qui sera effectué par le numéro 82, Noah Boulay. Aucun retour sur le jeu. Excellent travail de la part du 28, Thomas Gamache. Joueur des Gaulois qui laisse aucun espace pour le retour. Premier essai, 10. Les Cougars à leur ligne de 18. Alors, remis au 26, Jacob Roy-Dallaire. Une course du porteur des Cougars en premier essai. Deuxième et deux. On voit le ballon qui est remis au demi-offensif des Cougars. Jacob Roy-Dallaire, ce sera un premier essai pour les visiteurs. Sur ce dernier jeu, prend fin le premier quart avec un score de 20 à 0 pour les Gaulois. Premier essai, 10, Chicoutimi. Ouga!
Roméo, demi-offensif chez les Cougars. Toutefois, on est rapide pour effectuer le plaqué chez les Gaulois, notamment le numéro 54, Cédric Antil-Pelletier. Perte d'une verge sur la séquence. Deuxième essai. Passe incomplète. En troisième essai, 11 verges à faire, on est au 30. Les Cougars. Passe incomplète. On a tenté encore une fois la passe piège au porteur chez les Cougars. Toutefois, parce qu'il ne trouve pas preneur. On avait bien flairé la stratégie du côté de la défensive des Gaulois. On force un quatrième essai. Retour effectué par le numéro 85, Mathis Bilodeau. Un excellent retour chez les Gaulois. Au plaqué du côté de Chicoutimi, le numéro 24, Émeric Deblaine. On est au 35, premier essai, 10, la Bogatière. Course du numéro 33, Alexis Cadorette. Un gain de 7, ce sera deuxième et 3. Alors, remet encore une fois Alexis Cadorette. Les arbitres qui font signe. Premier essai. Gaulois! On place au 25. Passe incomplète. Chez les Gaulois, on met le ballon dans le champ arrière. Numéro 23, Samuel Roy. Et rapidement par quelques joueurs de ligne défensive. Les Cougars, court gain sur le jeu. Troisième essai. Passe captée.
Passe captée chez les Gaulois par le numéro 11, c'est Olivier Dubé. Receveur des Gaulois qui est un ancien des Phoenix de la polyvalente de la Pocatière. Il y a environ 7 sur le jeu, ce sera un quatrième essai. Environ une verge à faire. On court en puissance chez les Gaulois, c'est suffisant. Premier essai, 10, la Pocatière. On place à la ligne de 12, les Cougars, premier essai et 10. Passe incomplète. Ça va des Gaulois qui n'est pas en mesure de maîtriser le ballon. Deuxième essai. Allons porter par Athanaël Couillard. Un gain de 4 verges en premier essai. En deuxième essai plutôt, donc. C'est donc dire que ce sera troisième essai. Environ 6 à faire. Samuel Roy qui porte le ballon. Sa quatrième essai au plaqué chez les Cougars. C'était le numéro 21, Émile Lauzier. Quatrième essai, 4 verges à faire. Passe incomplète. On a tenté la passe dans la zone début en situation de quatrième essai chez les Gaulois. Il n'est pas en mesure de convertir. C'est donc dire que l'attaque des Cougars reprendra le ballon, oui, à leur ligne de 5. Ballon remis dans le champ arrière chez les Cougars. On est rapide chez les Gaulois pour effectuer le plaqué. Deux joueurs des locaux pour ralentir le porteur. C'est finalement le numéro 18 qui est en mesure d'effectuer le plaqué. François-Émile Fortin. Deuxième essai. Passe complétée. Passe piège au numéro 27, Zachary Cyr. Et environ 4 verges sur la dernière séquence. Troisième essai.
à se capter. Complété au numéro 10, Mathis Lecointre. Au poste de quart, c'était le numéro 9, bien sûr, Kylian Tshibala. Course bonne pour le premier essai. Ballon remis au demi-offensif chez les Cougars. Le numéro 26 qui porte le ballon. Jacob Roy-Dallaire au plaqué, le joueur de ligne défensive des Gaulois. Le numéro 10, Mathieu Saint-Pierre. Infraction sur le jeu. On y va sans caucus du côté des Cougars. Infraction de 5 verges contre les Cougars du cégep de Chicoutimi. Procédure inadmissible. On recule de 5 et on reprend le deuxième essai. Passe incomplète. Les deux joueurs des Gaulois qui se sont frappés, sans le vouloir, bien sûr. Je profite de cette interruption pour encore une fois remercier le restaurant Bureau Grill et Bar qui présente le match de cet après-midi. Match de cet après-midi sous la thématique des anciens. J'en profite aussi pour saluer nos anciens Gaulois, nos anciens Monadocs qui sont ici cet après-midi avec nous à la Pocatière. Oui, bon moment d'applaudissement pour Benjamin Telmos, le demi de coin des Gaulois qui se relève. On est prêt à reprendre l'action. Ballon positionné à la ligne de 30, troisième essai. Complété. Encore une fois, c'est Mathis Lecointre qui effectue l'attrapé. Passe de son corps, Kylian Tshibala. Bonne pour le premier jeu. Je vous parlais également de la thématique des anciens. C'est bon d'en voir quelques-uns. Ça me permet aussi de saluer un ancien joueur des Gaulois qui a évolué 3 ans avec la formation, Vincent Lévesque, qui a eu plusieurs bonnes saisons ici avec les Gaulois, qui a porté l'uniforme du Rouge et Or de l'Université Laval, double vainqueur de la Coupe Vanier. Merci Vincent d'être ici cet après-midi. Je vous invite à aller le saluer. Oui, bonne main d'applaudissement, bien sûr, pour Mathis Lecointre, receveur des Cougars qui a effectué 2 attrapés importants sur la séquence des siens. Ça va être un prompt rétablissement au receveur des Cougars. Bit en chef qui siffle la reprise. Premier essai, Chicoutimi. On choisit de courir chez les Cougars au plaqué. Pour les locaux, le 97, le joueur de ligne défensive, Danick Laflamme. Un gain d'environ 4 verges. Deuxième essai.
Passe rapide au numéro 12, Samuel Davio. C'était plutôt, désolé, pardonnez-moi, c'était plutôt le numéro 13, oui, chez les Cougars. Flanan Conné. C'était le numéro 12 des Gaulois, oui, qui a effectué le plaqué. Stéphane Roy, demi-défensif, demi-coin. Limite le gain. Troisième essai. La ligne défensive des Gaulois qui dit non. En troisième essai, perte d'environ 3 verges sur la séquence. Quatrième essai. Au plaqué, notamment Fabrice Bilodeau, l'ailier défensif, avait également le numéro 47 chez les Gaulois, Rémi Jonca. Sur le numéro 6, Anthony Martel, donc plusieurs joueurs des Gaulois qui effectuent le plaqué, force par le fait même un quatrième essai. Un très bon botté de dégagement de la part du numéro 24, Émeric Deblaine. Infraction sur le jeu. J'ai l'impression que l'infraction sera contre les Gaulois. Allons voir. Alors, effectivement, punition contre les Gaulois du Cégep et de l'ITAG à la Pocatière. Bloc illégal. Ce sera premier essai. Avec quelques minutes à faire avant la demi, je vous invite à rester et à assister, bien sûr, au spectacle habituel de notre équipe de cheerleading, qui lancera également des prix de présence, des items à l'effigie des Gaulois. Ballon porté par le numéro 24, Athanaël Couillard. Sur la dernière séquence, excellent travail de la ligne offensive des Gaulois. Une unité de 5, souvent dans l'ombre. Travail extrêmement fort aujourd'hui avec plusieurs jeux au sol. Deuxième essai. Ballon remis au demi-offensif. On est rapide chez les visiteurs pour effectuer le plaqué, notamment le numéro 99, Raphaël Desaulniers. Alors que l'arbitre en chef signale le temps d'arrêt obligatoire des 3 minutes, le score est de 20 à 0 en faveur des Gaulois. Ça me permet également de vous inviter à l'encourager. Les bénévoles qui sont là aujourd'hui au casse-croûte, sous le chapiteau. Donc, plusieurs rafraîchissements disponibles pour vous. Hot dog, chips, chocolat, liqueur, eau et bien sûr, la toute nouvelle bière, la Gauloise, brassée ici à la Pocatière par la microbrasserie Ralbock. Et bien sûr, tous les revenus qui sont faits avec la vente de cette bière iront directement à l'organisation des Gaulois. Donc, encouragez l'organisation locale à acheter. Bien sûr, si vous en avez l'âge, la bière, la Gauloise. Alors, amis. Numéro 24, Athanaël Couillard, toutefois plaqué rapidement par le front défensif des Cougars, quatrième essai.
effectué par Flanan Ryan Conné, le numéro 17 des Cougars. Les Cougars en zone des Gaulois. Premier essai et 10. Passe rapide au receveur éloigné, numéro 24. Des Cougars, on avait bien flairé la stratégie du côté des demi-défensifs des Gaulois. Perte d'environ 2 verges sur le jeu. Deuxième essai. Ballon remis dans le champ arrière au numéro 26. Des Cougars, plaqué rapidement par le 54, Cédric Antil-Pelletier. Aucun gain sur le jeu. Troisième essai. Qui est intercepté. Interception effectuée par le numéro 32 chez les Gaulois, Benjamin Telmos, demi-défensif qui réalise le larcin. On est au 40. Il reste 1,25 à faire à la demi. Premier essai et 10. On aurait demandé du côté des Cougars du cégep de Chicoutimi. J'ai l'impression qu'on avait trop de joueurs sur le terrain. Alors, encore une fois, je vous invite, alors que la demi approche, à rester des nôtres. L'équipe de cheerleading qui fera leur présentation, leur prestation et qui lanceront également là, différents produits à l'effigie des Gaulois. Il y aura également des balles de tennis qui seront lancées. Ces balles sont bonnes pour une consommation gratuite sous le chapiteau. Merci aux différents partenaires, les Taubières Lambert, Thibault GM, R plus O Énergie, Publicité PA Michaud, Matériaux Directs, Isolation MJM, Iris, Clinique d'optométrie, Gestion Édouard Desrosiers. Premier essai et 10 au 40. Samuel Roy qui réalise le toucher. Gaulois! Très longue course de la part du porteur des Gaulois. Un produit des Grizzlies de l'école secondaire de Montmagny. Transformation d'un point qui est réussi. Infraction sur le jeu. Infraction contre les Cougars du cégep de Chicoutimi. Hors jeu. L'équipe d'entraîneurs des Gaulois qui choisissent de reporter la punition sur le boté de reprise. Les Gaulois qui avanceront de 5 verges lorsqu'ils effectueront le boté de reprise. On reprend le converti. C'est réussi. Olivier Boulanger qui réussit la transformation. L'écart se creuse. C'est 27-0 pour les Gaulois.
Le dégagement effectué par le numéro 82, Noah Beaulieu. Infraction sur le jeu. Infraction sur la dernière séquence contre les Gaulois. Infraction pour botter illégal. Le ballon qui est sorti sur les lignes de touche avant qu'il soit récupéré par le joueur des Cougars. On place le ballon directement à la ligne de 35. Premier essai 10 pour Chicoutimi. Il reste une 12 à faire à cette première demi. Chez les Cougars, on court avec le 26, Jacob Roy-Dallaire au plaqué. Le 54, Cédric Antil-Pelletier. Deuxième essai. Temps d'arrêt demandé par les Gaulois. Moi qui remercie leur chaleureux partenaire, Fondation Bouchard, la Fondation de l'École polyvalente de la Pocatière, la firme Pocatoise, le Club Richelieu, la clinique chiropratique de la Pocatière, Canadian Tire, Aventis Coopérative, PCN Physiothérapie. Deuxième essai. Choisit de courir chez les Cougars. Au plaqué, le joueur de ligne défensive, numéro 97, Danick Laflamme. Arrêt demandé du côté des Gaulois, alors qu'on a également un joueur des Cougars au sol. Oui, bonne main d'applaudissement pour le joueur des Cougars du cégep de Chicoutimi qui se relève. Malheureusement, pas en mesure de voir son numéro. Souffle à l'oreille que c'est le numéro 66, le joueur de ligne offensive Antoine Garceau. Un prompt rétablissement à Antoine. On est prêt à reprendre l'action du côté des Cougars. Troisième essai, environ trois verges à faire. Essai 10, Cougar. Premier essai 10, Chicoutimi. Ballon remis au demi-offensif, le numéro 26, Jacob Roy-Dallaire. Un gain d'environ deux verges sur le jeu. Deuxième essai. Allez, 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 allez.
Excellent plaqué de deux joueurs de ligne défensive des Gaulois, Fabrice Bilodeau et Mathieu Saint-Pierre. Les deux coéquipiers de la ligne défensive qui unissent leurs forces. Perte d'environ 6. Troisième essai. Remis au demi-offensif, plaqué rapidement par le 41 Éloi Brosseau. Et c'est là-dessus que prend fin la première demi. Les Gaulois qui sont en avant, 27-0! L'action qui reprend dans 20 minutes, mais pour l'instant, on vous invite à rester. L'équipe de cheerleading des Gaulois s'amène sur le terrain.
Thank you.
Go!
On est de retour ici au stade de football de la polyvalente de la Pocatière. On est prêt à débuter cette deuxième demi. Le tirage au sort initial avait été gagné par les Cougars du cégep de Chicoutimi. Ils avaient choisi de reporter la décision au début de la deuxième demi. C'est donc dire qu'ils vont recevoir le botté de reprise. Retour effectué chez les Cougars par le numéro 26, plaqué solidement par le numéro 35 des Gaulois, Jérôme Boulet, infraction sur le jeu. Infraction de 15 verges contre les Gaulois du cégep de la Pocatière, conduite antisportive. Plutôt de diverge conduite antisportive. Le ballon qui sera placé à la ligne de 41 des Cougars. On profite aussi pour inviter tous les anciens aujourd'hui présents. À la fin du match, on vous invite pour une grande photo de famille, une grande photo d'équipe. Donc, à tous les anciens réunis ici, à la fin du match, partez pas trop vite. On vous invite à aller dans la zone des buts, à l'effigie des Gaulois, donc près du tableau indicateur. Je répète, pour une grande photo de famille. Oui, merci d'encourager Jacob Roy Dallaire. Espérer un prompt rétablissement, Jacob. Évidemment, ces sportifs que vous voyez aujourd'hui sont aussi des étudiants, donc dès lundi matin, ils seront de retour sur les bancs d'école. Je souhaite qu'ils soient en santé pour poursuivre, bien sûr, leur étude, leur session collégiale. Alors, on est prêt
Premier essai, 10 au 41. Le numéro 4 chez les Cougars, toutefois plaqué du numéro 18, le demi-défensif François-Émile Fortin. Défensif des Gaulois qui limite le gain environ 2 verges, ce sera 2e et 8. Merci. Sur la course au plaqué, encore une fois, Cédric Antil-Pelletier. Perte de 5 verges, troisième essai, 12. Passe captée, mais rapidement, le porteur de ballon des Cougars qui est rabattu au sol. Le numéro 54 au plaqué, Cédric Antil-Pelletier. La défensive des Gaulois qui commence cette deuxième demi en force. Quatrième essai. Chez les Gaulois par le numéro 87, Justin Roy. Tourneur des Gaulois qui amène son attaque déjà en zone des Cougars. Premier essai et 10, la Bogacière. Course d'Alexis Cadorette. Vétéran porteur des Gaulois en mesure d'aller chercher environ 7 verges. Deuxième et 3. Alexis Cadorette qui porte. Premier essai, Gaulois! La course du numéro 23, Samuel Roy. On a une infraction derrière le jeu. Alors, infraction contre les Gaulois pour avoir retenu. Donc, une punition de 10 verges qui annule bien sûr le gain suite à la course. On reprend l'essai.
Oui, bon moment d'applaudissement pour le numéro 68, joueur de ligne offensive, José David de Jésus. Retourne au banc par ses propres moyens. Essaye 20. Passe captée! Le numéro 2, Maxime Dastou. En mesure d'effectuer l'attraper en plongeant. Premier essai, 10, Gaulois. C'est Gaulois! Le quart arrière des Gaulois, Dominique Poulin qui remet le ballon à son demi-offensif, Samuel Roy. Le porteur de ballon qui franchit les 10 verges qu'il séparait de la zone des buts. C'est 33-0, Gaulois. Transformation d'un point qui est réussi. Et avec 10 minutes 36 à faire à ce troisième quart, les Gaulois qui augmentent leur avance, c'est 34-0. Retour effectué par le numéro 17 chez les Cougars. Chez les Gaulois au plaqué, plusieurs joueurs, notamment le 41, Éloi Brosseau, ainsi que le 14, William Deschaine. L'attaque des visiteurs sur le terrain. On est au 25, premier essai 10. On met dans le champ arrière l'ailier défensif Fabrice Bilodeau, le numéro 8, qui réalise le plaqué. Plaqué pour perte, deuxième essai. Passe incomplète. Arrière des Cougars qui a tenté de rejoindre son receveur sur le tracé en crochet. Passe incomplète en couverture chez les Gaulois, c'était le numéro 17. Étienne Dion, troisième essai et 11. Passe captée. Chez les Cougars par le numéro 13, Flanan Merwan Koné. Au plaqué, du côté de la Pocatière pour forcer un quatrième essai, c'était le 47. Secondaire intérieur, Rémi Jonca.
Quatrième essai, 5. Ballon placé à la ligne de 30. Voté dégagement effectué par le numéro 24 des Cougars. C'était Aymeric Deblaine. Un court retour sur la séquence. L'attaque des Gaulois qui revient au centre du terrain. Premier essai 10 pour les locaux. Infraction. Hors-jeu contre les Gaulois. Punition de 5 verges. Premier essai et 15. Passe incomplète. Ballon échappé, repris par la défensive, infraction. Alors, j'ai l'impression que l'infraction sera contre la défensive des Cougars. Allons voir. Alors, sur la dernière séquence, ballon qui avait été échappé, repris par la défensive, toutefois infraction contre les visiteurs, bloc illégal. Automatiquement, ça redonne le ballon à l'attaque des Gaulois et ça offre par le fait même un premier essai et 10. La Pocatière. On a amené beaucoup de pression dans le front défensif des Cougars. Ballon qui est remis. Balayage au numéro 2, Maxime Dastou. Brise quelques plaqués. Deuxième et 8. Au numéro 27 chez les Gaulois, Mathias Lanville. Premier essai, Gaulois. Remis au demi-offensif, plaqué rapidement chez les Cougars. Au plaqué, le numéro 94, Charles-Alexandre Thibault. Appuyé notamment par le 91, Marc-Antoine Amiot.
Plaqué pour perte. Deuxième essai. Passe incomplète. Troisième essai, 12 verges à faire. Piège qui est capté par le numéro 45, Hubert Mucnik. Un gain d'environ une verge, peut-être deux. On vient environ à la ligne d'engagement, quatrième essai 10. Sur la dernière séquence, au plaqué, le 44, Samuel Saint-Pierre. Les Gaulois qui veulent remercier leur commanditaire, la ville de La Pocatière, Nova Biomatique, le bureau Grill et Bar, Chocs FM, la fondation du cégep La Pocatière, le garage J.C. Hudon, la boucherie Rossignol. Premier 10, Chicoutimi. On remet au numéro 18 qui tente de bondir à l'extérieur au plaqué. Le numéro 10, Mathieu Saint-Pierre, plaqué pour perte. Deuxième essai et 12. Car arrière des Cougars, Kylian Tshibala pointe la remise et rejoint le numéro 27, Zachary Cyr. Gain de 10, troisième essai et 2. Alors, remis dans le champ arrière. Perte d'environ une verge, quatrième essai. Quelques joueurs des Gaulois sur la dernière séquence au plaqué, notamment le 44, Samuel Saint-Pierre. J'ai également aperçu le numéro 6, Anthony Martel. Encore une fois, j'invite tous les anciens ici présents au stade de football de La Pocatière. Après le match, partez pas trop vite. On vous invite dans la zone des buts à l'effigie des Gaulois pour une grande photo de famille. Donc, après le match, rendez-vous dans la zone des buts. Temps d'arrêt demandé par les Cougars du cégep de Chicoutimi. Fois, je profite de cette interruption pour remercier nos partenaires, la Caisse des Jardins de Lens de La Pocatière, la députée Côte-du-Sud, Électro-Sonorisation, les aménagements Yannick Desrosiers, PCN Physiothérapie, Aventis Coopérative, le magasin Canadian Tire, la clinique chiropratique de La Pocatière, le club Richelieu, la ferme Pocatoise, la fondation Bouchard,
formation de l'École polyvalente de la Pocatière, gestion Édouard Desrosiers Inc. et Sikiris Clinique d'optométrie. Quatrième essai. Retour effectué chez les Gaulois par le numéro 85, Mathis Bilodeau. Alors que je viens d'apercevoir un mouchoir lancé par l'officiel au fond du terrain. Il y aura peut-être une conduite antisportive, attendons voir. Alors, effectivement, sur la dernière séquence, finition de 10 verges pour conduite antisportive contre les Cougars du cégep de Chicoutimi. Premier essai, 10. Infraction. Punition contre les Gaulois. Punition de 5 verges hors jeu. Alors on reprend. Premier essai, 15. Gaulois. Passe captée par le numéro 13, le demi-inséré Olivier Boulanger. Infraction. J'ai l'impression que l'infraction sera contre Chicoutimi. Effectivement, donc l'arbitre en chef le signale. Punition de 15 verges, Rudesse contre Chicoutimi. Pour avoir saisi par le collet, plaqué par le collet. On reprend. Premier essai, 10, Gaulois. Passe incomplète. Maintenant, au poste de quart chez les Gaulois, de numéro 16, Olivier Godbout. Joueur des Gaulois qui a tenté de rejoindre le 87, Justin Roy. Passe un peu trop longue, deuxième essai. Passe du quart arrière, Olivier Godbout, complété au numéro 13, Olivier Boulanger. Ce sera troisième essai et 4. Le numéro 27 des Gaulois, Mathias Lanville, qui refuse de tomber, amène son équipe à la porte des buts. Premier essai et les buts, on est à la ligne de 5.
Passe, catch et course. Bonne pour Sylvain. Ballon attrapé par le numéro 2, Maxime Dastou. Bien sûr, lancé par le quart, Olivier Godbout, numéro 16. Et avec 1 minute 20 à faire à ce troisième quart, l'écart se creuse. C'est 40-0 pour les locaux. Transformation d'un point qui est réussi. Le troisième quart qui tire à sa fin. Encore une fois, j'en profite pour vous inviter à encourager nos bénévoles qui sont présentement sous le chapiteau au casse-croûte. Plusieurs, comment je pourrais dire, plusieurs éléments pour manger. Chocolat, chips, hot dog. Plusieurs également rafraîchissements, dont la nouvelle bière à l'effigie des Gaulois, la Gauloise. Ballon placé au 45, on est prêt à reprendre. Qui échappe au retourneur des Cougars, qui est repris par un de ses coéquipiers. L'attaque des visiteurs qui s'amènent sur le terrain. Ballon placé exactement à la ligne de 25. Premier essai et 10. Passe incomplète. Passe qui est captée. On a tenté la passe piège, communément appelée dans le jargon le screen. Stratégie qui avait été flairée par l'unité défensive des Gaulois. C'est là-dessus que prend fin le troisième quart. Le score, après trois quarts, c'est 41-0 pour les Gaulois! Troisième essai. Interception Gaulois! Pour une deuxième fois cet après-midi, c'est le demi de coin Benjamin Telmos qui effectue l'interception. Thank you.
Alors que l'attaque des Gaulois revient sur le terrain, je vous invite à sortir vos billets de moitié-moitié. En quelques instants, je nommerai le numéro gagnant, donc sortez et restez prêts pour le moitié-moitié, ça s'en vient. Ballon porté par le numéro 24 des Gaulois, Athanaël Couillard. Un gain d'environ 6 verges sur la course. Deuxième essai. Passe incomplète sur la dernière séquence. Excellent travail du demi de coin, Carl Despelto. Défensif des Cougars qui enlève le ballon pour recevoir des Gaulois. Passe incomplète, troisième essai. Passe incomplète. Situation de quatrième essai, l'unité de beauté de placement des Gaulois qui s'amène sur le terrain. Encore une fois, je vous invite à préparer vos moitié-moitié. J'ai le numéro entre les mains. Suite à cette séquence-là, je vous nommerai le numéro gagnant. Placement qui est réussi. C'est le numéro 61, Charles Coulombe, qui est en mesure de réaliser le botté de placement. Et on ajoute 3 points à l'avance des Gaulois. C'est 44-0 avec 11 minutes 40 secondes à faire à cette partie de football. Alors j'en profite, évidemment, suite à un botté de placement, les Cougars qui choisissent de reprendre tout de suite à leur ligne de 35. Je me dépêche à vous donner le numéro gagnant du moitié-moitié pour un grand total de 282 $. Le numéro gagnant, c'est le 53-15-22. Je répète, le 53-15-22. Dernière fois pour les gens derrière, 53-15-22 pour un montant de 282 $. Chez les Cougars, on court avec le numéro 26, Zachary Cyr. Un gain d'environ 8 en premier essai. Passe captée par le numéro 24. Rabattu rapidement au sol par le numéro 29, Alexis Paget. Troisième essai. Troisième essai, une verge à faire. Remise un peu basse, le quart arrière des Cougars qui choisit de se projeter au sol. Perte d'environ 8 verges, quatrième essai.
Voté dégagement qui échappe aux joueurs des Gaulois. En mesure de reprendre son échappée. Infraction. Alors, sur la dernière séquence, infraction contre les Cougars du Cégep de Chicoutimi pour non-respect de l'immunité. Comme l'infraction a eu lieu pendant que le ballon était encore dans les airs, cette punition est de 15 verges. Premier essai et 10 Gaulois. Ballon remis au demi-offensif des Gaulois, le numéro 30, Jean-Christophe Moreau. Plaqué par le 99, le joueur de ligne défensive des Cougars, Raphaël Desauniers, deuxième essai. Passe captée par le numéro 4 des Gaulois, Olivier Lachance. Passe du corps Olivier Godbout. C'est bon pour environ 8 verges. Ce sera troisième essai et quelques pouces à faire. Premier essai, Gaulois. Course du porteur Mathias Lanville. L'attaque des Gaulois présentement au 25 des visiteurs. Premier essai, 10. Ballon remis au numéro 30, Jean-Christophe Moreau. Un gain de 4. Deuxième et 6. Passe qui est capté par le numéro 82, Noah Bollé. Premier essai Gaulois. Au numéro 85 chez les Gaulois, plaqué rapidement par un joueur des Cougars. Ouais, bonne main d'applaudissement pour Mathis Bilodeau. J'en profite aussi pour féliciter M. Tommy Morneau de La Pocatière qui a gagné le moitié-moitié. Donc, je répète, Tommy Morneau, La Pocatière, 282 $. Tommy qui est aussi un ancien porte-couleur des Gaulois. Donc, la boucle qui est bouclée cet après-midi. Passe incomplète.
Donc, avec 4 minutes 45 à faire à cette partie de football, on est en situation de troisième essai, situé à la ligne de 18 des Cougars. Passe-piège capté par Athanel Couillard. Au plaqué, du côté de Chicoutimi, le 91, Marc-Antoine Amiot. On ramène le ballon à la ligne d'engagement. Quatrième essai, 10. Entre le placement du côté des Gaulois. Côté de placement qui est bloqué. Alors, un botté qui frappe directement la ligne de mêlée. En situation de quatrième essai, c'est donc dire que l'attaque des Cougars du cégep de Chicoutimi s'amène sur le terrain. On est à leur ligne de 16. On remet le ballon numéro 18. Thénard Réau. Infraction. Donc, punition contre les Gaulois du Cégep et de l'ITAC de la Pocatière. Punition de rudesse 15 verges pour avoir saisi par le protecteur facial. Premier jeu, Cougar. Passe captée. Il faut plaquer rapide chez les Gaulois. Il semble notamment avoir vu le numéro 1, Charles Perron, au plaqué. Perte de 4 verges sur le dernier jeu. Deuxième essai. Passe incomplète. Passe qui est déviée par le 54, Cédric Antil-Pelletier. Joueur de ligne défensive des Gaulois qui connaît tout un match cet après-midi. Troisième essai et 13. Passe incomplète. Quatrième essai. Alors que les deux unités spéciales des deux équipes s'amènent sur le terrain. Au revoir.
retour, le numéro 13, Olivier Boulanger, infraction sur le jeu. Et avec environ 30 secondes à faire à cette partie, pour une dernière fois cet après-midi, on fait du bruit pour les trois unités des Gaulois! Alors, merci à vous tous qui vous êtes déplacés aujourd'hui pour ce match. Je souhaite également un bon retour aux gens qui retournent à Chicoutimi. Et puis, je rappelle pour une dernière fois à tous les anciens porte-couleurs des Gaulois ou des Monadnock, peu importe votre édition, on vous invite à vous diriger dans la zone des buts des Gaulois près du tableau indicateur pour une photo de famille. Sur ce, moi, je vous laisse. On se revoit dans quelques semaines alors que les visiteurs seront les filons cégep de Thetford Mines. Tout un duel à prévoir. Merci à tous. Bonne fin de journée.